Salut Internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de mon frérot Mikala. Je vous avais été nombreux, attention on s'arrête pour dire ça, on va s'arrêter. Vous avez été nombreux dans les commentaires à dire ouais le meilleur duo de YouTube, le meilleur duo de l'année, improbable, etc, etc. On vous l'a promis. On vous l'a dit, donc on le fait. Aujourd'hui, on fait une vidéo encore avec le frérot Mikalash. Et en plus, une vidéo très spéciale parce que j'ai jamais fait ça sur ma chaîne. Je vais vous expliquer en gros ce qui va se passer. Le frérot, vous le connaissez maintenant, il a une chaîne YouTube. Elle s'affiche à l'écran et dans la description. Et on est aussi en compagnie de notre ami Loubit, que vous connaissez. Loubit. Non, Loubit. Arrête à chaque fois de dire Loubit. Bon, on est en compagnie de Loubit. Vous l'appelez comme vous voulez. Lui, il dit Loubit, moi je dis Loubit. Il a son petit réseau qui s'affiche en dessous. Alors lui vraiment, voilà, je le dis à chaque fois, il fait aucun contenu, il fait rien. Il fait des lives sur TikTok, c'est vrai. Donc voilà. Mais si vous voulez le rajouter sur Instagram, rajoutez-le. C'est la petite Loubit. Il est là, il est avec nous aujourd'hui, au cas où ça tourne mal. Alors qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? On a réuni les meilleurs youtubeurs de France. Sauf lui. Mais aujourd'hui, ce qui va se passer, les gars, rappelez-vous, il y a quelques années, on a piégé dans un parc pour enfants et les flics sont venus, l'ont embarqué, tout a été filmé et il a fini en prison. Ça va? Ouais, ça sent quoi là? Un collègue ou deux? T'attends pas le petit Nathan par exemple? Par hasard, hein? Le petit Nathan. C'est à moi que tu parlais sur Facebook. Là, là on est dans un parc d'enfants, t'attendais un petit de 9 ans, d'accord? Tu lui as envoyé des photos où tu es. On est d'accord. Mais ça va pas, je t'en casse. Papa, ils sont là. Là. C'est bon, venez, on va là-bas, venez. A plus. Il est sourd. Non, ils sont pas là. Ciao. Voilà. Allez, adieu. Donc par la suite, ce mec est rentré en prison. Bon, je sais pas si ça s'est bien ou mal passé avec lui. Mais il y a quelques temps, j'ai reçu quelques messages. D'accord, j'ai reçu des messages sur Instagram. Cette même personne a mon numéro, m'a appelé. Et du coup, il veut me voir pour régler les comptes parce qu'il a pas trop apprécié qu'on l'envoie en prison. Mon frère Mikalash et la petite Loubit va rester loin de tout ça parce que je veux régler mes comptes tout seul avec lui. Je veux voir ce qu'il a à me dire, je veux voir s'il a changé. A tout à l'heure et bon visionnage à tous. Bon les amis, on s'est donné rendez-vous. Là, je l'attends. Il y a Mika et Loubit qui sont de l'autre côté. Puis s'ils viennent déjà, parce qu'on sait pas sûr. Il avait pas l'air de vouloir parler gentiment avec moi. Je pense que c'est un mec qui m'en veut. Donc on va quand même rester prudent parce qu'on sait jamais. Hein, y a des fous partout. Voilà, on l'attend. Je pense que d'ici une demi-heure, il devrait être là. Même pas. Donc voilà, dès qu'il est là, on refilme de toute façon. Allez, c'est parti. Voilà mon frérot. Kamoff, le mec à cause de qui je suis parti en tôle. Ouais. Bien. Ah frérot, je sers pas la main aux gens qui... Enfin, je suis désolé, mais... C'est pas le sens comme ça. Là, t'as pas de caméra, là, comme avec tes petites habitudes sympathiques et tout. Peut-être. Comment ça, peut-être? Peut-être qu'il y a une caméra. Ouais, regarde, il y a une caméra, tu as vu tomber les têtes, frère, parce que moi, je suis venu pour parler entre bonhommes. Eh ben, si tu veux parler entre bonhommes, assis-toi, vas-y, raconte-moi ta vie. Vas-y, on va s'asseoir, ouais, dis-moi, j'aime bien rester debout. C'est quoi? C'est Liguine, c'est quoi, ça? Yeah, c'est Liguine à ma femme, du coup. C'est tombé, j'étais à côté, j'étais pressé. C'était pour venir parler, pour ça, j'ai pas deux heures. Je vais juste te dire deux, trois trucs, tu vois. J'ai vu tes petites vidéos, tes petits sketchs, parce qu'en prison, tu vois, on a les téléphones. Donc à cause de toi, j'ai fini. Attends, excuse-moi, attends, t'es allé au placard, pourquoi? T'as fait quelque chose, non? Ouais, c'est à cause de tes conneries. Parce qu'à cause de mes conneries? À cause de toi, ouais. Parce que tu vas te dénoncer aux flics. Et tu crois que quoi? Tu crois que j'allais pas te dénoncer, frère? Ouais, j'ai vu, c'est moi, je t'ai appelé. C'est moi, je t'ai contacté. Et alors? Oui, donc c'est moi, je veux parler. C'est quoi? C'est la prison que t'as fait pousser? C'est quoi le... Je t'explique, mon prison frérot, j'ai eu des dingues, t'as vu? T'as vu, c'est que il va falloir faire quelque chose maintenant. Parce que moi pendant un an, je perdu un an de ma vie, pendant que tu faisais tes petites vidéos, que je te regardais, t'as vu? Je vais t'amuser bien, hein. T'es en train de me dire quoi? Il faut faire quoi? Je comprends pas. Vas-y, j'ai pas le temps. Dis-moi ce que tu cherches, mon pote. T'as vu? T'as fait une vidéo sur moi, t'as amusé, tu m'as flouté, heureusement, parce que sinon je t'aurais envoyé une équipe. Mais tu m'as flouté. Rigole quoi, tu m'as flouté, t'as vu, c'est bien pour toi. Mm-hmm. T'as pris des sous avec cette vidéo, ouais. Bah, même pas parce que tu sais quoi, quand tu mets le titre file dans une vidéo, c'est démonétisé. Donc tu vois, j'ai même pas pris d'argent. T'as pris des sous même, t'as fait d'autres vidéos, t'as pris des sous. Moi j'ai fait un an au placard, pendant un an j'ai pas vu ma femme, j'ai pas vu mes enfants. Ok? Ouais. Donc ce que je t'en fais maintenant, c'est raté. Tu vas payer, frérot, tu vas payer. T'as vu, tu vas sortir les sous, tu vas les retirer, tu vas faire ce que tu veux. En quel honneur? Tu vas me sortir 20 points. Ah.
20 points. Ouais, 20 points, parce que frérot, regarde. Regarde, t'as vu là? 20 000. Vas-y, je vais appeler un collègue, va te les rapporter, après tu me casses. Non, non, moi tu me donnes les 20 000, on en reste là. Allez, ça va. Problème, allez, appelle ton collègue. Allez, ça va. Tu me donnes mes 20 000. Ça va. Je tu rentres chez toi, je rentre chez moi, affaire complète, on n'en parle plus. Je vais te rapporter 20 points, moi tu me casses pas la tête. Oui, allô, bonjour. Frérot, t'as vu, tu peux aller sur mon compte, s'il te plaît, et m'apporter 20 000, je suis au parc là. Ok, d'accord, je vais les retirer, c'est bon. Allez, frérot. Je t'attends, merci. Tiens-toi. Je suis là dans 2 secondes. Vas-y. J'arrive. Vas-y, à de suite. C'est bon, il arrive. Bah voilà, il est là. Bonjour. Bonjour. Bonjour, salut. Bonjour. Salut, ça va, bon oui, vous allez tranquille bien. Je suis le banquier de monsieur, tranquille. Ici présent. Donc voilà, en fait, monsieur Kamaf, en fait, je suis dans le regret de vous annoncer qu'il ne vous reste plus que 3,50€ sur votre compte. Ah. Suite à tous les mandats que vous avez envoyés à la prison de Fleury-Mérogis. Oh, lui, il est ce qui reste, c'est pas grave. Les 3,50€ ouais, dans lui. Et le problème, c'est que j'avais un petit peu soif sur la route et le stagiaire, du coup, en fait, le truc, c'est que je suis désolé, je pourrais peut-être s'arranger si vous voulez. Bon, bah, y'a pas de buisson. Derrière un buisson ou quoi, on peut faire. Ouais, moi je dis oui, ouais. C'est quoi le problème? Poto, on n'a pas l'argent. Tu comprends que je vais pas te donner l'argent, t'as pas compris encore, t'es vraiment c***. Très bon, vraiment l'argent. Oui, il reconnaît. Oui, il est connu. C'est lui qui envoie les photos à des gamins là. C'est ça. Vas-y, c'est pour moi. Tu as vu, je t'ai rendu. Regarde maintenant. J'aime trop. Regarde toi, qu'est-ce que tu fais, mon frère? Oh, je te kiffe. T'as vu à cause de toi les gens qu'on me voit maintenant? Oh, t'as vu à cause de toi? Donc là, le mieux qu'il te reste à faire vraiment avant que ça dégénère, hein, ouais, c'est que tu rentres chez toi vraiment et que tu oublies. Non, mais j'irais même mieux, tu vois. Là, t'es habillé avec ton petit legging et tout. Vas-y, rigole pas, vas-y, rigole même pas. C'est vrai qu'il est sexy, hein. Non, t'es vu arriver. Monsieur, franchement, au parc, T'as vu ton collègue Youssef? T'as vu ton collègue Youssef? S'il vient, il va être affiché dans la vidéo. Ouais. Comment ça la vidéo? Ah ça y est, tu recommences Ouais, t'as pas pris assez. Ah non, c'est pas assez pour les gens comme toi, frère. Moi, je t'aurais mis 10 ans. Arrête-moi. Frérot, la vidéo qui va sortir, le visage sera pas flouté. Exactement. Donc écoute-nous bien, frérot. Regarde. T'as vu? Un an, c'est rien pour les gens comme toi, tu mérites 20 ans. C'est frère, clair. Pour ce que t'as fait. Donc écoute bien, si tu dégages pas maintenant et qu'on entend des histoires comme ça, maintenant on a ton visage, et là on va l'afficher sur Internet. Là on l'affiche. Pas sur Internet. Là je vais l'afficher. Là tu vas devenir connu. Tu vas devenir célèbre, tu vas devenir une star. Tu vas devenir une star des réseaux. Regarde, V. Frère, tu vois comme je suis devenu. Tu me donnes juste 20 000, frère, ils ne viendront pas. Tu sais quoi, tu veux faire l'autruche? Y'a pas de problème. Nous, on s'en va. On va pas rester plus longtemps parce qu'on n'a pas le temps. Reste là, on va mettre la vidéo sur internet et on mettra ton visage comme ça. Cette fois, les gens ils sauront qui tu es. Et en prison, tu es encore vivant, mais je pense que dans la rue, tu vas pas faire long feu. Ouais. Donc on se retrouve bientôt. Hein? D'accord, mon poteau? Non, hein? Non, mais les 20 000, tu les auras pas, d'accord? Allez, tu mets la vidéo sur internet avec ma tête. Allez. Non, reste là. Reste là. Ça va? Ça va. Ça va. Ça va. 100 euros, c'est bon, vas-y. 100 euros au moins, j'ai pris un an au placard, frérot. Mais tu vas faire, mais 100 euros de. Et tu vas pas me mettre sur internet, ça y est, c'est bon, on a compris, tu faisais des vidéos. Va piger d'autres gens, pas moi. Et en plus, tu me demandes 100 euros. Ah, c'est... 50, tu veux 100 euros? Tu veux 100 euros? Tu m'attends. Tu vas pas revenir. Je te jure, je reviens. Jure-le. Oh là. Tu jures sur Allah que tu reviens. Je suis pas musulman, frérot, j'ai pas juré sur Allah. Je suis pas musulman. Tu m'attends ou pas? Vas-y, bah alors lui reste avec moi. Allez, je te laisse ma petite loupe. Lui aussi reste avec moi. Reste avec moi toi aussi. Allez. Viens, on va chercher les. Dégueulasse, là. Vas-y, on va chercher les sous, je reviens. J'ai pas pu retirer 100 euros, par contre j'ai trouvé ça. Tu le revends, hein? Il fait. Combien il fait? 40 euros. Et ça tu vas le mettre, parce que sinon on va mettre la vidéo sur internet, moi je te le dis, hein. Voilà, donc soit tu le mets, soit on met la vidéo sur internet. Tu voulais parler avec toi? Oui. Toi t'en prends le vélo aussi. Frérot, on est 4, alors s'il te plaît, ne fais pas le barbeau, au moins ça. Écoute frérot, tu m'as payé, tu passes chez les sous. Non. Moi c'est simple, on fait quoi? Allez hop. Non, je t'explique. Écoute, je t'explique. Je t'explique quoi? Tu vas sortir les sous. Sur les sous. Poto, tu es filmé, tu es quoi? Tu es filmé, t'es un mongol. Arrête ta caméra. Maintenant menace. Alors maintenant menace avec. Mais je rigolais, c'était pour la vidéo, c'est pour courir. Passe par terre. Non, je te donne pas. Jette-le. Passe par terre. Sinon, je te jure, tu vas prendre plus. Passe par terre. Ça va, mais c'est pour rigoler avec vous. Écoute, frérot,
Je voulais rigoler. Écoute. Mais tu voulais rigoler. Mais t'es filmé, espèce de mongolien. Il est débile. Écoute, on va faire simple. Écoute, voilà, il y a deux solutions. Voilà, je t'explique. Là, il y a tentative d'extorsion d'argent, tentative de meurtre. Hein? Ah, menace avec un. Nous trois. Hein. Ah, mais tu rentres. Alors, regarde, on va pas. Tu sais quoi, honnêtement, entre toi et moi, c'est pas mieux que tu mettes le truc d'autruche et qu'on en arrête là? Plutôt qu'on aille au flic? Parce que sinon, on va aller au flic maintenant. Mais je touche pas l'argent du coup. Là, je te jure, j'ai envie de l'encouler. Non, mais c'est pas grave. Non, c'est j'ai bon, envie de l'encouler. C'est pas grave. Ah, c'est bon. Non, écoute. Non, arrête, pas les numéros d'urgence. C'est bon, t'es sûr? Je vais, raccroche. Ok. Dépêche-toi, ça va te partir. Alors les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'il va mettre le petit déguisement, désolé pour cette petite altercation, il va mettre les déguisements, et puis on vous refilme après pour voir ce que ça donne vraiment. On va faire une petite activité avec le déguisement, c'est trop facile. Allez mon poteau. Bon les amis, voilà, on a mis le déguisement au frérot, il est en train de s'échauffer avec là, je sais pas ce qu'il fait d'ailleurs. Je sais pas, il va picorer peut-être. Bon, je peux enlever ? Ah non, c'est pas, non. Donc on va vous montrer les gars à quoi ils ressemblent. L'enlever, frérot, s'il te plaît. Bon bah il va venir tout seul. L'enlever ou pas? Montre ton beau déguisement là. Voilà comme t'es mignon là. Il a une belle petite queue. Ouais, j'ai l'impression. Je peux y aller, c'est des vacances. Bah écoute, là moi je t'ai attaché les mains, donc maintenant si tu veux partir, pars. Mais on va te suivre pour rigoler un peu. Il va tomber, regarde comme il est con. Tu vas où, frérot? Tu pars dans la forêt là? Tu vas faire quoi dans la forêt? Tu vas picorer. Attention, il y a le chien qui te guette. Oh putain. Oh putain, il va le trouver. Il va péter le déguisement. Je suis par les chiens. Il y a les chiens, il va les cavaler. Vas-y. Attention. Oh putain, les chiens, ils le regardent, il va bien. Il va et là, le caméraman, il lui cavale derrière. Qui on se lève. On fait mieux. Il demande rien de l'aide, quoi. Suis-le. Excusez-moi, j'ai mes jambes, frère. Ah, c'est un baiser. Il va se faire percuter par une voiture. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Où il va? Il va demander de l'aide. Il va demander de l'aide à la RTM, frère. D'aller dans un asile psychiatrique. Il demande de plus, frère. Détache-moi. Vas-y, frère, détache-moi, je te prie, frère. Je vais détacher. Demande aux gens, comme ça. Regarde pour me détacher. Personne qui veut m'aider. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je te détache pas, je te laisse comme ça, frérot. Je te dis à très bientôt. Où tu vas encore? Les enfants, ils sont gentils, vous voulez pas plus. Non, les enfants. Non, pas les enfants. Non, on va pas rigoler, on va être sérieux. On va pas faire les un enfants. Dernier truc. On a dit pas les enfants. Non, t'as encore enfants, par rapport à toi, frère. Je m'en fous la tête. Peut-être sera sur internet. Oh. Arrête. Il veut rien comprendre. Non, si, il va comprendre. On va mettre chez les flics. Non, j'ai mis ça, j'ai tout mis. J'ai mis comment? Allez, c'est toi, allez. Oh, tu vas fermer ta gueule. Comme vous l'avez bien compris, le sujet est encore une fois trop grave. Donc on va être encore obligé de l'amener chez les flics. Là, il a les mains attachées. Parce qu'il a pas l'air d'avoir compris la leçon, vraiment pas. Et lui, il faut vraiment qu'il soit enfermé. Donc là, il rentrera pas pour des attouchements ou quoi que ce soit, mais il va rentrer pour tentative d'escroquerie, donc de m'estorquer de l'argent, et pour tout la menace. C'est tout ça. Avec le casier. Comme il est sorti il y a pas longtemps, je pense qu'il va vite rentrer. Allez, on y va. Arrête! C'est lourd une autruche. Arrête! Tu sais que ça fait des gros œufs, les autruches, non, c'est vrai? Ah, t'as mis un flic. Allez, mets-le dans la voiture en poids. Oui. Allez, fais-le rentrer, aide-le. Putain, mais t'es lourd, putain! Appelle la police, appelle pas là. Même lui c'est plus frère. T'es fatigué, je suis là. Tu arrives à le voir là? Ouais, il m'a fatigué. Il fait des doigts. Fatigué. On va très bien. On
Donc voilà les gars, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Je tenais à vous dire que bon, on a bel et bien mené la personne au flic. Il voulait pas qu'on les filme, donc on l'a bien déposé au commissariat. Ils ont pris les preuves quand même. Oui, oui, bah oui, on leur a donné toutes les images et tout. C'est pour ça qu'on se retrouve quelques heures après. Donc je vous donnerai des nouvelles sur Instagram. Donc n'hésitez pas à venir sur Instagram. Et sur Instagram, je vous dirai quelle peine il a pris, parce que cette vidéo sera tournée bien évidemment quelques semaines avant qu'elle sorte. Je suis en compagnie de Lou. Vous savez, donc vous pouvez le rajouter sur Instagram, il s'affiche juste en bas, aucun contenu, mais bon, ça y fait plaisir. Hein, il est... TikTok aussi. Voilà, TikTok, mais ça c'est mon compte, donc au final ça sert à rien. Et on est voilà avec le frérot Mikalash, donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le dire en commentaire et on refera des duos au minimum une fois par mois, minimum une fois par mois, minimum. Sur sa chaîne et sur la mienne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, tout est en description et on va continuer à faire des pranks et des vidéos comme on sait si bien le faire que ça plaise ou non. Je vous fais de gros bisous, faites attention à vous, faites attention à vos enfants, ne les laissez pas traîner sur les réseaux sans vraiment vérifier, mettez toujours un code d'accès, ayez toujours un œil sur ce qu'ils font parce que ça va très vite et ils sont très vite influencés. Voilà, c'était Kamoff, gros bisous à tous, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.